This is your final lap, final lap of the race. Season and you've got your reward. You are the driver's world champion. Congratulations. Hey, Francois, this is Mario. You did it, man. Haha, top of the world. Bravissimo. Unbelievable. Grande. So proud of you. So proud of you. Bravissimo. Ah, putain, c'est bon ça, c'est bon. Thanks for the incredible car. Thanks for the opportunity. And thank you to all of you guys. I love you so much, so, so much. And thank you, Frank and Claire, for believing in me. Oh, man, I think some people did a mistake here, and I'm glad to be in this team. World champion! Well, I think you earned your vacation, man. Take it easy on the ice cream. What up les gens, c'est Depiolo Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et surtout une nouvelle série. On se retrouve sur GTA V pour les vacances de Depiolo. Oui, je sais, il a une sale gueule notre garçon. J'ai pas trouvé mieux, honnêtement, je suis vraiment désolé pour ça, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais aujourd'hui on va commencer, une série un peu roleplay. Où on va un petit peu bouger, voir ce qui se passe, prendre des vacances en dehors de la Formule 1. J'espère que vous avez aimé cette intro. N'hésitez pas à lâcher un like, évidemment. On va reparler de cette phrase, n'hésitez pas à lâcher un like. En tout cas, moi, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Et puis, comme vous avez pu voir, on va avoir une belle SLS AMG qui est déjà égratignée de partout. En orange, parce qu'après tout, pourquoi pas, on aime bien l'ostentatoire, il y a qu'à voir les baskets jaunes, et il court très très bizarrement, ce garçon. Alors évidemment, la SLS AMG dans GTA V, c'est un mode, hop là, et voilà, on est passé en mode première personne, et on a les magnifiques lunettes jaunes que l'on voit. On va essayer de l'apprécier un peu mieux, cette voiture, ce magnifique V8 6.3 SLS AMG, avec la petite plaque qui va bien. Non, franchement,
C'est l'une des plus belles voitures que j'ai pu choper sur, sur un... Alors, je me souviens plus le site, je vous le mettrai dans la description, si j'y pense. N'hésitez pas à me le rappeler en commentaire. Donc voilà, allez, on va prendre notre petite SLS AMG et puis on va partir tout de suite faire un petit tour en mode roleplay. On est en vacances, on est à Los Santos et on va se faire eh ben, un petit kiff. Alors, on va regarder l'intérieur, vous voyez qu'il est vachement bien modélisé. Franchement... Franchement, je dis chapeau, parce que je crois par contre que c'est une conversion depuis Forza. Enfin bref, c'est un truc technique. Bon, ça bug un peu dans le plafonnier, mais ça, c'est pas trop grave. Mais vous voyez que quand même, le niveau de détail est quand même bien, bien foutu, je dois dire. Allez, on va partir, on va faire les bourrins comme d'habitude. Bah pour sortir de chez nous, eh ben on va enfoncer la grille, parce qu'après tout, pourquoi pas. C'est un peu dommage. Ouais, elle fait quand même un super bruit. Hein. Elle fait un super bruit. Allez hop, on vient de complètement déchirer la caisse. Bon, ça va, elle a l'air de pas avoir grand chose. Tant mieux. Donc, on se retrouve sur GTA V. On va faire un petit tour dans le quartier. Hop là, le petit aileron qui se lève, qui se baisse. Très bien. Vous avez les kilomètres-heure en bas à droite. Donc on va se balader un petit peu aujourd'hui, tranquillement, on revient de vacances, non pas vraiment, on part en vacances, on revient d'une saison de 21 Grand Prix avec à la clé le titre de champion du monde, et bah ça fait plaisir, et on avait besoin de vacances, et vous allez voir qu'on va pas faire que rien du tout en vacances. Alors, aujourd'hui j'avais prévu de faire du golf. Et en fait je me suis dit non, en fait le golf ça fait chier. Donc on va juste se balader un petit peu dans les hauteurs de Los Santos. On est sur à peu près Vinewood. On est dans ce secteur là. Et puis on va admirer un petit peu les vues. On va admirer un petit peu ce jeu. Alors évidemment je pensais que j'allais avoir un rendu plus joli que ça. Mais finalement j'ai bon, bah, j'ai pas le rendu que je veux. Bon bah écoutez, on peut pas tout avoir. J'ai pas la bécane de la mort qui tue non plus. Je commence à être un peu fatigué ma bécane. Donc voilà. Alors je voulais vous parler de YouTube. Oui, oui, on fait que parler de YouTube en ce moment, puisque on parle, enfin, tous les plus grands en ont parlé, PewDiePie a failli supprimer sa chaîne, Trollolol, MDR Lolilol, le plus beau troll de, troll de l'année, pardon, Hypierre en a parlé, Bill Silverlight en a parlé, Super Connard en a parlé, Absol Vidéo en a parlé, bref. Je vous cache pas que tout le monde parle de YouTube et de la manière dont c'est en train de partir en sucette. Je vous invite à aller voir tous ces YouTubeurs qui en parlent bien mieux que moi et qui eux sont vraiment impactés. Moi j'ai pas vu vraiment d'impact au niveau de la chaîne, honnêtement, depuis la mise en place de leur nouvel algorithme, etc. Et puis l'émergence des putaclics. Donc j'ai pas eu ce problème là, parce que je suis quand même un petit YouTubeur. Mais apparemment, bon c'est... Voilà, il y a des désabonnements, n'hésitez pas à aller... cliquer sur la cloche pour être averti quand une vidéo de DPLO Gaming sortira. Voilà, apparemment tout le monde dit ça, donc bon bah moi aussi je vais le dire. Et on est sur les hauteurs de Los Santos et ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Voilà, il y a quand même beaucoup de brume. Hein. On sent que la ville est polluée, mon gars. On va essayer de faire une snapmatic. Une snapmatic. C'est quand même un beau panorama, je dois dire. On voit que dalle, hein. On voit que dalle. Bon. Bref, on en était où? Content ID. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. On parle de YouTube, de l'algorithme, etc. Mais surtout, en fait, sur ce quoi j'aimerais revenir parce que ça me touche personnellement. Et ça touche aussi d'autres YouTubeurs qui ne sont pas que anglophones. Des petits YouTubeurs ont eu ce problème-là. Je crois que Giggs a eu ce problème-là tout récemment. Et en fait, super belle Banshee. Allez, on va reprendre notre petite SLS. On va repartir pour un petit tour. Rentre dans la voiture. Poum. Ferme la porte papillon. Ah, elle est belle. Elle est belle. Elle fait plaisir, cette petite SLS. Donc, effectivement, en fait, YouTube fonctionne avec un Content ID. J'en ai parlé quand on a fait la vidéo Faisons le point. Mais apparemment, ça n'impacte pas que moi. Alors, je ne sais pas comment faire. J'ai pas de nouvelles de YouTube. Je leur ai dit, hein, je leur ai envoyé des mails à YouTube. Ils m'ont dit, bah vous avez qu'à cliquer sur votre avis, hein, en me mettant un beau screenshot, en me prenant pour un débile, parce que faut croire que je sais, voilà. Donc j'embrasse un Nicolas de l'équipe YouTube qui m'a répondu, va te faire foutre. Non, je déconne. Mais grosso modo, c'est ça. C'est parce qu'il m'envoie chier, en fait. Je leur explique le problème. Je leur ai pas dit... je me suis un peu énervé au début, mais après je leur ai dit, c'est pas tant que ça... C'est haché, votre truc. Mais c'est que c'est pour éviter que ça soit le bordel. Allez, on va rentrer, on va faire de l'essence pour la peine. Non, mais c'est qu'en fait, pour recontextualiser,
Eh ben voilà, on vient de rayer la bagnole, super. Pour recontextualiser, en fait, sur le Grand Prix d'Abu Dhabi, donc dernière manche sur F1 2016, eh bien tout simplement, eh ben oui, évidemment, je me suis trompé, la trappe était de l'autre côté. La dernière manche sur F1 2016, à Abu Dhabi, elle a été tout de suite bloquée par la FOM parce que l'algorithme de YouTube, du Content ID, qui fait matcher entre des images qui ont été déposées par des sociétés comme la FOM, les chaînes de télé, etc., à matcher avec les caméras replay de F1 2016. Alors jusque là tu te dis ouais non mais ok si merci au revoir, allez on a fait le plein, on se barre. MDR. Ah voilà, on va peut-être juste réparer la voiture parce que c'est vraiment moche. Hop tac, voilà, elle est plus jolie. Très bien, allez on y va. Donc effectivement c'est... le Content ID a fait matcher ma vidéo avec des caméras, enfin avec le Grand Prix d'Abu Dhabi de cette année. Donc autrement dit, j'ai envie de te dire, bah non, juste non mec, c'est un jeu vidéo. Je l'ai signalé à YouTube en disant, franchement, essayez de bosser, d'affiner votre Content ID. Je suis pas contre le fait qu'on n'ait pas le droit d'utiliser des images de F1. Mais par contre, que vous venez pas m'emmerder en disant, hop hop hop, je crois que tu as utilisé des images. Bah non, mec. Je contribue à te donner du pognon, hein, YouTube, je contribue à te donner du pognon. C'est pas pour que tu m'enlèves le droit de te donner du pognon quelque part. Je veux dire, voilà, sinon moi je m'arrête et puis bah voilà, tout le monde s'arrête. Et à ce moment-là, on fait plus rien. Bon, voilà, c'est pour vous dire que en fait, alors j'ai vu beaucoup de dislikes, etc., parce que vous étiez pas content, évidemment, je comprends les dislikes en tant que fait chier, on peut pas regarder la vidéo, elle a été bloquée. Maintenant, on va reparler de ce qui se passe sur YouTube. Clairement, si vous dislikez, vous êtes sûr que plus vous dislikerez, en fait, moins la vidéo pourra apparaître dans vos recommandations. Pire, plus vous dislikez, moins la vidéo sera vue. En fait, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on a l'émergence de plein de débiles qui disent tant que la vidéo n'a pas atteint les 10 000 j'aime, bah, je fais pas la prochaine. Donc, il y a 10 000 j'aime et cette vidéo se retrouve en tendance. Donc, ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Et par contre, moi qui fais... J'estime, je fais du bon contenu parce que bon, je fais ce qui me plaît. On va faire la course contre la Porsche là. J'estime que je fais du bon contenu. Vous estimez aussi à travers les likes et les commentaires qui sont plutôt positifs sur certaines vidéos. Il y en a d'autres, c'est un peu plus compliqué. Je peux comprendre Motorsport Manager par exemple, hein. Mais dans l'ensemble, il y a quand même beaucoup de likes. J'estime que je fais du bon contenu, mais j'estime que les connards, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, mais j'estime que les connards qui eux disent tant que la vidéo a pas atteint 10 000 j'aime, pourquoi ils se retrouvent en tendance, tu vois, enfin, je veux dire, ça veut dire que moi ça me plombe quelque part, tu vois. Donc c'est que des trucs comme ça qui se passent sur YouTube, et en fait, bon, bah, encore une fois, hein, Squeezie l'a dit, et pour une fois je suis d'accord avec lui. Et si on faisait des bonnes vidéos, tout simplement, arrêtons de faire des vidéos de merde. Et faisons juste des bonnes vidéos qui plaisent aux gens. Et parce que si vous êtes sur YouTube et que vous venez regarder ces vidéos-là, c'est qu'il y a quand même une raison, c'est que vous ne trouvez pas votre bonheur ailleurs. Et si vous tombez sur cette vidéo par hasard, merci déjà, salut. Et puis bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai jamais quémandé en soi de like. Je vous ai toujours demandé, entre guillemets, de ne pas hésiter à lâcher des likes à la fin des vidéos. Alors évidemment, vous lâchez des likes si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, ne lâchez pas de like. Si vous n'avez pas aimé et que vous lâchez un dislike, expliquez-le. Expliquez-le surtout. Les mecs qui lâchent des dislikes et qui disent pas pourquoi, j'ai qu'une chose à vous dire. Franchement, cassez-vous quoi. Mais cassez-vous. Vous avez rien à faire. En fait, vous voulez juste faire chier le monde, clairement. C'est juste ça. Donc, alors mini coup de gueule, mais pas coup de gueule non plus. Mais voilà, je veux dire... dislikez pas, ou alors si vous dislikez, donnez une bonne raison, faites en sorte que justement je devienne meilleur et que ça plaise de plus en plus à tout le monde et que du coup on ait que du contenu de qualité sur YouTube. C'est ça le but du jeu, c'est pas de disliker ou voilà. Mais bon, voilà, ça c'est mon opinion sur ce qui s'est passé sur les petites affaires avec YouTube. Donc moi ça m'exaspère un peu, ça me démotive aussi un petit peu. Et puis voilà, c'est de me dire putain, c'est ouf, on a... Allez, mais bouge-toi de là, mec. Putain, c'était vert, quel con. On va lui mettre la pression. Ouais. Pression à Corvette. Une pression, allez. Et voilà, il a craqué. Ah, oup, là, il a failli rentrer dans l'Audi. Alors oui, aux États-Unis, surtout en Californie, en fait, tu as le droit de tourner à droite, même au feu rouge. En fait, c'est tourner à droite, c'est comme un céder le passage. Donc voilà. Je le dis, je l'ai vécu, bref, voilà. On s'éloigne du sujet. YouTube, on revient là-dessus. Donc effectivement... Je pense ne jamais vous avoir demandé en début de vidéo, avant même d'avoir regardé le contenu,
De liker, hein, tout simplement. Encore une fois, vous likez si vous avez vraiment aimé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que, voilà. Je voulais aussi faire un point sur, entre guillemets, l'année qui s'est écoulée. Parce que ça fait maintenant presque un an et demi que moi je suis sur YouTube. Que j'ai eu une croissance d'abonnés assez fulgurante depuis que F1 2016 est arrivé. Et c'était le temps pour moi de revenir un petit peu aux sources, entre guillemets. Il est beau ce t-shirt douche. De revenir un peu aux sources. Alors, GTA, c'était pas mon premier jeu, évidemment. On fait toujours de la F1, c'est toujours mon truc. Mais je voulais revenir un peu aux sources et puis vous dire que je fatigue un peu, honnêtement. Je vous le dis honnêtement, faire deux saisons sur F1 2016, c'est très prenant, surtout quand t'as un job. J'envisage de faire un jour peut-être YouTube à temps plein et donc je continue toujours à vous faire des vidéos. C'est vraiment pas facile, il y a vraiment des moments où j'ai vraiment tout envie d'arrêter. Parce que c'est juste que ça me saoule quoi. Au bout d'un moment, ça prend beaucoup trop de temps, il y a des trucs qui marchent pas. Et puis parfois, il y a des abonnés qui sont ultra pressés de voir la vidéo. Et puis limite qui t'agressent entre guillemets pour dire putain, mais elle sort quand? Mais elle sort quand? Mais elle sort quand? Et puis parfois même, j'en ai qui me mettent des dislikes en me disant mais mec, fais d'autres jeux s'il te plaît, etc. Certes, c'est pas les plus grands, c'est pas le plus grand nombre d'abonnés qui font ça. Mais. En fait, ça a le don d'être extrêmement démotivateur. Je lis tous vos commentaires. Je m'expliquerai sur Motorsport Manager dans un instant. Je lis tous vos commentaires. Mais quand tu lis tous les commentaires, alors il y en a beaucoup de positifs et ça requinque beaucoup. Mais en fait, il suffit d'un seul commentaire mauvais, un peu rageux ou etc. Et ça te plombe le moral, tu vois. Ça te dit, putain, je passe 12 heures par semaine de mon temps libre après le boulot. Pour faire du contenu et il y en a un qui vient casser les couilles quoi, c'est hyper chiant, c'est hyper relou. Alors je veux bien comprendre, si la critique elle est constructive et que tu me dis, on se tutoie hein, que tu me dis là tu pourrais améliorer ça ou ça j'aime pas trop et peut-être que tu pourrais le faire dans ce sens là ou... Pas de problème parce que ça au final je le prends bien tu vois, je me dis ok ça me donne d'autres idées tu vois, ça fait ah putain mais je peux rebondir sur ce qu'il a dit et tout et ça c'est génial. Par contre le mec qui fait ouais t'es un noob. Casse-toi. Et j'ai envie de citer Wallstar parce que j'ai vu une vidéo de lui il n'y a pas si longtemps que ça et qui faisait entre guillemets un peu le point, c'était pour remercier je crois ses 10 000 abonnés. Troisième vidéo avec un trailer de malade mental sur GTA V, là j'arrive pas du tout à la cheville de ce garçon. Et Wallstar, et en fait ce mec là il est tellement pisse, mais... Et je me dis putain mais faut que je sois comme lui en fait. Faut que je sois pisse comme ça, que je me prenne pas la tête, que les mecs, les rageux et tout, qui viennent déverser leur haine comme il dit, etc. C'est... allez vous faire foutre quoi, peace and love les gars, franchement moi je fais ce que j'aime et puis ce qui compte c'est les meilleurs abonnés qui te remercient etc. Donc voilà, j'essaie de me mettre, parfois c'est pas facile, mais elle est sérieuse elle, meuf, alors là je vais te péter ta gueule, allez, agression, ok, tiens, allez, qu'est-ce qu'il y a, tu vas me rouler dessus, tu vas faire quoi, mais tu vas faire quoi là, allez mais viens là, tiens, alors qu'est-ce qu'il y a? Hop là, je t'ai cassé ta... Mais rentrez dedans encore une fois! Hé meuf! Voilà! Ouais, mais casse-toi! Tu veux qu'on se tape? On va se taper! Non, c'est pas digne d'un champion du monde! Mais maintenant, elle a l'alarme qui... Oh la vache! Bon, on n'a rien vu, hein, évidemment, donc là, on est un peu sorti du roleplay, quelque part. on s'est un peu énervé. En plus, je parlais de Wallstar à l'instant, qui disait qu'il faut rester zen, donc on va essayer de rester zen. Elle m'a pourri la vente de ma Mercos, la meuf. Putain, elle m'a pourri la marque à l'étoile, quoi. J'y crois pas. Punaise. Pas vrai, ça. Bon. Donc, qu'est-ce que je disais? Effectivement, donc, être peace and love, quoi. Et c'est pas facile tous les jours. Je vous assure, c'est vraiment pas facile tous les jours. Allez, là. Eh ben, continue à courir, grosse vache. Hop, là. On lui a fait peur. Elle est pas morte. Donc, effectivement, voilà. J'essaie d'être peace and love. C'est vraiment pas facile. Et puis voilà, et puis il y a quand même une certaine pression, hein, non, mine de rien, sur YouTube. Quand j'étais à 100 abonnés, c'est clair que il n'y avait pas de pression en soi, je me la mettais par rapport à moi-même, mais là, 7000 et quelques. Mais t'es sérieux, gros? Putain, mais je suis au stop! Alors attends, putain, mais. Eh ben oui, bah bien sûr, mais bousille-moi tout le côté de la caisse, toi! Avec ta pied. Une espèce de Maserati bas de gamme. Enfin, en plus, il se casse. Bon, ok, je vais le poursuivre parce que là, j'en ai vraiment ma claque. Donc, je disais effectivement, 7000, plus de 7000 abonnés, il commence à y avoir une vraie pression. Une vraie pression de votre part parce que
Et c'est pas votre faute, hein, mais c'est moi qui me mets quelque part automatiquement la... Hop là, hop, on se gare comme ça. Alors, ce qui va suivre va être dangereux là, hein, je pense. Voilà, on cherche la merde. Oh le bat... Oh, le bâtard, il m'a roulé dessus. Bon, allez, on est champion du monde, on est en vacances. On est en vacances, putain, on n'est pas censé s'énerver. C'est pas possible ça. Bon, allez, on va redémarrer la bagnole. Allez, on va rentrer à la maison tranquille. Là, ça va, ça suffit. Les conneries. Allez, on va rentrer un peu vite fait. Donc, je disais, oui, effectivement, je me mets la pression tout seul, en fait. Parce que 7000 abonnés, 7000 personnes, ça remplit une grosse salle de concert, quand même. Sans abonnés, ça remplit un appartement, on va dire. Grosso modo, hein, un bel appartement. 7000, c'est énorme. Et du coup, il y a quand même une pression de toujours devoir faire mieux et devoir faire plus. Mais c'est normal, ça me pousse vers l'excellence, c'est bien. Mais cette pression-là, elle est fatigante. Et c'est pour ça que j'aimerais bien faire une pause sur F1 2016. Je sais pertinemment qu'il y en a qui vont pas forcément aimer cette série. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce qu'il fait? Bah oui, mais bien sûr, connard. Je sais pertinemment qu'il y en a qui vont pas forcément beaucoup apprécier cette série, même si on va essayer de faire un truc un peu roleplay. Et c'est pas aussi poussé que je le voudrais, donc je m'en excuse par avance, et ça me fait, moi, un peu chier. Si j'étais youtubeur à plein temps, je vous en aurais mis plein la gueule, quoi, mais je suis pas youtubeur à plein temps. C'est ça qu'il faut que vous compreniez, c'est que je le fais sur un temps libre, que j'ai un job à côté, et que, bah, voilà, faut pas oublier que je suis un être humain, et que je peux pas sortir des vidéos comme ça à la seconde, et ça prend énormément de temps. Là, cette vidéo-là, je l'ai bossé quand même beaucoup de temps, j'ai eu beaucoup de problèmes avec les mises à jour de Rockstar, notamment, donc ça a été un peu laborieux, voilà. Donc, on va voir tout de suite la suite. On va voir la suite, on va regarder nos petits mails. Et voilà, les mails. Williams Racing, congratulations on the title, enjoy your vacation. Emma Jenkins, vos billets pour la course de GT4, vous avez le numéro 64 comme d'habitude. Et puis, effectivement, invitation pour l'essai de la nouvelle GT3 RS sur l'enfer vert. Voici un petit peu les mails qu'on a. Donc, vous l'avez compris, la prochaine fois, on va faire une course de GT4. Vous allez voir où est-ce qu'on la fera, je vous réserve le truc. On va tester de la Porsche. Hein, on se fait inviter, donc ça c'est cool. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a autant plu à vous qu'à moi. N'hésitez pas à lâcher des likes et des commentaires sur la vidéo. On se retrouve sur Twitter, sur Facebook et sur YouTube pour parler F1. Et puis en attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao!